Bonjour les amis et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Odyssey. Donc, la quête, les quêtes ont bien avancé. Là, on est en train de nettoyer un peu toutes les choses qu'on n'a pas faites. Donc là, on va commencer par ceci. Ah. On va synchroniser avec ça. Même de nuit, c'est sympa à regarder. Et on va aller se faire la forteresse qu'on voit là-bas. On avait déjà été dans un épisode précédent, mais on n'avait pas tout nettoyé. Là, aujourd'hui, je compte la faire de A à Z. Donc, la vider intégralement. Puis, si on a assez de temps, on ira se faire autre chose. Je pense que dans un premier temps, c'est un bon objectif. Je crois que la forteresse est Defina, il me semble. C'est ça. Defina, c'est parti. Passage, si on peut chasser un peu, on ne se gêne pas. Alors, je crois que c'est ça, on est là. Donc, on va faire une petite sauvegarde vu qu'on est juste en face. Voilà. Commencer à se balader dans cette forteresse. Intérêt à ce qu'on me remarque. Mais non, on me remarquera pas. Donc on était déjà passé ultérieurement, on avait déjà pris quelques trucs à l'intérieur. Mais on n'avait pas réussi à tout nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a moins de gardes, alors c'est peut-être moi qui me trompe, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde sur ces murailles. Des flèches, c'est toujours ça de pris. Alors voilà, il me reste quelques petites choses à faire. On va regarder un peu. Donc il nous reste tuer le polémarque, trouver l'ostrasson de l'énigme, l'ostrasson à énigme, et brûler un ravitaillement de guerre. Je t'avais vu qu'à la dernière minute, toi. Tu n'es plus qu'une ombre. Il y a un garde qui arrive en face. On va la jouer discret. C'est cool. Oh, il y a encore du monde. Oh,
cas, on nettoie comme il faut. Il y a du garde en dessous. Donc là, il y a un garde qui est en train de monter. Voilà. C'est clean, c'est propre. On a déjà quasiment fait tout le tour de la forteresse point de vue des murailles. Les murailles, je pense pas qu'on trouvera grand chose dessus de toute façon. La plupart des choses qu'on va chercher vont se trouver à l'intérieur de la ville. Donc là on nettoie vraiment à l'extérieur de façon à pas se faire repérer ou gauler par d'éventuels mecs qui patrouillent. On n'aura plus que les ennemis à l'intérieur. Lui il m'a vu. Alors lui ça doit être un garde que je dois défoncer je pense. On va vérifier. Ouais, ça doit être le polémarque. Toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Reste là! Là! On désarme. Fait le ménage. On a tué le polémarque, hein. Ah, viens ici toi. Donne-moi ton bouclier. Toi on te désarme aussi. Commence à m'ennuyer. Arrête tes petits pas de danse et bats-toi. Il veut donner l'alerte. Trop tard, l'alerte a été donnée. Regardez. Oh, il y a un mercenaire qui arrive. Je me casse.
Allez, monte! Ah, il me cherche. Allez! Le mercenaire en plus d'un capitaine. Un de moins. Le polémarque est mort. Le mercenaire est vaincu. On ramasse les loot. Donc il nous reste quoi à détruire là-dedans? Parce qu'on a fait un sacré ménage quand même. Il nous reste brûler un ravitaillement et trouver l'ostrasson à énigme. Il est où le nounours? Est mort. Je ne laisserai pas filer. Là. Ah, il est bugué le nounours là. D'accord, il était bugué. Même sur les bons jeux, il y a pas mal de bugs. Un peu.
Ah, un coffre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on attaque ça? Ah, on gagne aussi du cuir souple, je savais pas ça. Je m'en souviendrai. Bon, tuer les cochons aussi. Ok, d'accord. Allez, on surprend. Un petit garde de rien du tout, il nous fait pas bien peur. On est déjà venu. Il nous reste quoi? L'ostrason de l'énigme, je crois. Et trouver l'ostrason à énigme. Alors l'ostrason à énigme, où est-ce qu'il peut se trouver ici? Ah bah le voilà. C'était rapide. Donc on a vidé. On a vidé le fort de Desfina. On va se diriger et régler le compte à celui qui nous a mis une prime sur notre tête. D'ailleurs, on va y aller directement. C'est quoi ça, on était déjà venu ici? J'ai un doute, je suis déjà venu ici? Non, on n'était jamais venu. On les défonce. Ah, on m'a empoisonné. Donc j'étais jamais venu ici, donc c'est plutôt cool. Ça fait un peu de loot au passage. On n'est pas loin de la distance, on va pas reprendre notre monture pour le si peu qu'il reste à faire.
D'accord, on est déjà venu ici. On va pas s'embêter à tous les tuer. Ah, il y a un ravitaillement ici aussi. Alors qu'on pourrait se faire le camp peut-être. Hein. On pourrait se faire le camp. Ça coûte pas grand chose. Allez, montez. T'enlèves ton bouclier. Alors on va faire sauter ma prime. J'en ai marre de me balader avec une prime sur la tête. Voilà, déjà c'est plutôt cool. Je suis tranquille, plus de prime sur ma tête. On va aller faire un petit tour ici. J'y suis pas allé. Avance. Ah bah viens. Ce mercenaire il est level combien? 14. On peut se le fumer. Oh, tu veux faire plaisir, père. J'ai besoin de...
Et à son chien qui martèle derrière. Fais chier. C'est même pas un chien, on dirait un lynx. Ce bestiole il est où? Allez, meurs aussi. On récupère du loot. Voilà, ça va, ça enchaîne bien. Alors, voyons voir, la prime elle est partie d'où? Elle est partie par là, ok. Alors campement de vigie. Faire une petite sauvegarde. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. Ouais, donc vaut mieux arriver de l'autre côté. Il y a des gardes partout quoi. On les enchaîne. Donc ici il y a deux trésors et deux prisonniers à libérer. Deuxième trésor. Il y a un garde qui m'a vu, je crois. Toi, plus d'un geste. Tu vas mourir. Ah là là, pourquoi il s'est placé là? Je comprends pas. T'arrives. Alors lui il a une lame empoisonnée, mais il aura pas le temps de s'en servir. De toute façon il est trop bas level, level 13. Trop bas level pour m'inquiéter. On va libérer les prisonniers. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. On a encore bien avancé cette fois-ci dans le campement de la vigie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me donner vos avis. Je vous dis à très bientôt dans la suite de nos aventures. Salut les amis.